La saison 2019 achevée, l'heure du bilan a sonné. Votre rendez-vous F1 vous raconte le film d'une année qui a fait naître de belles promesses, de futurs duels de légende et la confirmation de nouveaux talents. Tous ont la même ambition, détrôner Lewis Hamilton en 2020. Il était très attendu pour sa première saison chez Ferrari. Charles Leclerc n'a pas déçu. Première pole dès son deuxième Grand Prix, la victoire lui échappe pour un problème mécanique à Bahreïn. Déterminé, programmé pour gagner, le Monégasque qui n'a alors que 21 ans va enfin connaître le succès à Spa après la trêve estivale, quand Ferrari, décevant jusque-là, hausse enfin son niveau. Mais son chef-d'œuvre restera sa victoire à Monza, la première à domicile de Ferrari depuis 9 ans devant 100 000 tifosi en liesse. Sa résistance acharnée pendant 30 tours à Lewis Hamilton lui vaudra l'adoubement du roi à l'arrivée. C'est au-dessus de tout ce que j'ai rêvé jusque-là. Honnêtement, de voir autant de personnes qui chantent tous la même chose. Seule ombre au tableau, la cohabitation avec son coéquipier, le quadruple champion du monde, Sebastian Vettel. Entre consignes d'équipe et mauvaise stratégie, la tension est montée jusqu'au crash des deux pilotes au Brésil. Avec cette pole position, record cette saison, Charles Leclerc a prouvé qu'il pouvait être rapide. Mais le jeune prodige va devoir affronter une concurrence acharnée. Car cette année a été marquée par une confirmation. Max Verstappen, 22 ans, est lui aussi un futur grand, un futur champion du monde. Troisième du championnat, avec 3 victoires sur sa Red Bull Honda, le Néerlandais a prouvé qu'il pouvait être régulier. La course, c'est toute ma vie. J'espère que dans le futur, je pourrai gagner un titre, mais j'ai besoin du bon package pour le faire. Son duel avec Leclerc, son adversaire depuis l'enfance, rappelle les plus belles heures de la F1. Illustration en Autriche, où il arrache la victoire à 2 tours de la fin, sur une manœuvre plus que virile. Sa démonstration sous la pluie battante à Hockenheim, où tous les plus grands partent à la faute, l'a fait entrer dans une autre dimension. Côté français, Pierre Gasly a vécu l'ascenseur émotionnel cette saison. Promu chez Red Bull, le Normand va vivre une première partie de championnat très compliquée. Rétrogradé chez Toro Rosso pendant l'été, Gasly va faire taire les critiques avec une incroyable deuxième place au Brésil. Le premier podium français depuis 7 ans. Chez Renault, la recrue star Daniel Ricciardo devait redonner le sourire à l'écurie tricolore. Si le moteur a progressé, le châssis a déçu. Après une phase de transition, la marque aux losanges compte bien se rapprocher du podium, boostée par l'arrivée du Français Esteban Ocon. L'ancien pilote réserve Mercedes a effectué ses premiers essais cette semaine à Abu Dhabi. La saison prochaine s'annonce spectaculaire avant la révolution promise par le règlement en 2021. Lewis Hamilton et Mercedes, champions du monde pour la 6e fois, vont tout faire pour égaler le mythe Michael Schumacher.